Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. J'espère que Dieu répand sur nous la joie dominicale d'avoir fêté Dieu comme étant un et dans la communion des trois personnes, ce qui est une source de joie spirituelle, je crois, intense. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent ce soir à Saint-Germain. Nous sommes plus nombreux que d'habitude parce que je pense que la plupart viennent pour la veillée pour la vie qui aura lieu donc à l'issue de cette célébration à Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc voilà pour l'information de ceux qui nous rejoignent sur KTO et qui crient au miracle. Il y a pas mal de monde à Saint-Germain. Alors Saint-Germain, nous fêtons la Saint-Germain, mais ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas Saint-Germain d'Auxerre, c'est Saint-Germain de Paris. C'est quelqu'un de très bien quand même, de très estimable. Il a dû fonder la basilique de Saint-Germain-des-Prés. Pas marqué sur mon livre, mais je pense que c'est lui. Et puis nous avons une autre aide qui vient à notre secours, c'est la figure de l'apôtre Pierre. Car nous lisons cette semaine la première lettre de l'apôtre Pierre. C'est un texte peu connu, mais admirable. Et puis dans l'Évangile, c'est de nouveau Pierre qui intervient. Alors, confions notre vie, confions la vie du monde à cet apôtre qui est une belle figure de pasteur et qui nous aide aussi bien à reconnaître que nous avons péché que de nous confier à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En paix. Dieu notre Père, splendeur et gloire de tous les élus, tu as sanctifié ce jour par la mort de l'évêque Saint-Germain. Accorde à ton Église l'appui de ses exemples et de ses mérites pour qu'elle trouve miséricorde auprès de toi et qu'elle puisse annoncer à tous les hommes les merveilles de ton amour par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et donc les lectures sont celles de la 8e semaine du temps ordinaire. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre, apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi
dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara : Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons souvent dans l'Évangile cet appel à tout quitter, à tout abandonner. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? D'ailleurs, quand saint Pierre dit qu'il a tout quitté, qu'il a tout abandonné, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, il le dit, vous avez remarqué, il le dit au présent, et on pourrait penser, pour se dédouaner, il exagère, ou il se vante. Mais quand on se vante devant Jésus, en général, Jésus vous remet
immédiatement dans le droit chemin. Arrière Satan, quand Pierre dit quelque chose qui ne convient pas. En réalité, tout abandonner, ça veut dire tout abandonner dans une relation qui soit simplement bilatérale, c'est-à-dire quelqu'un et moi, quelque chose et moi. Bah, mais alors, on ne peut pas faire autrement. Si, moi, ce n'est pas tout seul. Je suis baptisé, je ne peux pas, je ne dois pas simplement penser à moi tout seul. Il y a Jésus et moi. Il y a même Jésus en moi. C'est ce que nous croyons. Par lui, avec lui et en lui. Ça ne vaut pas pour moi, ça vaut bien entendu pour chacun. Même vis-à-vis des choses, Dieu est le maître de tout ce qui vit et respire, de tout ce qui est créé. Les choses, les plantes, les animaux, le monde, le cosmos, on fait attention à respecter le cosmos, ce qui nous entoure, l'environnement, pour être simple, lui aussi, il est à penser avec Dieu. C'est ça, tout abandonner. Tout abandonner, c'est en abandonnant de manière égoïste. Tenez, on a une autre injonction qui peut-être peut nous éclairer. Celui qui veut garder pour lui sa vie, la perd. Ça veut dire celui qui veut garder sa vie pour lui tout seul, sans la partager avec d'autres. La vie est fichue. Celui qui donne sa vie, c'est-à-dire celui qui la partage avec d'autres, y compris avec son environnement, celui-là la sauve. Vous voyez, une vraie leçon de discernement et de sagesse. Vous m'imaginez abandonnant ma pauvre mère, qui est au troisième rang et qui a 96 ans. Ça serait criminel, ce n'est pas ce que le bon Dieu veut. Le bon Dieu veut que je m'occupe de ma mère, qui, sachez-le, continue à s'occuper de moi, en partie. Vous voyez ? Voilà, c'est ça, c'est très relationnel ce que Dieu nous demande. Et c'est possible parce que Dieu, et en particulier Jésus, ne se conjugue pas simplement au futur, mais déjà au présent. On l'a lu dans la première lettre de Pierre, en disant que les prophètes et les sages, oui, se sont décarcassés pour essayer de comprendre à quel moment, en quel temps, la puissance du Christ qui donne sa vie pour nous et qui a été ressuscité par Dieu, en quel temps, en quel moment elle est efficace. Réponse: aujourd'hui. Il ne faut pas se dire, tiens, demain, je pourrais être un saint. Non, c'est aujourd'hui qu'on est appelé à se laisser sanctifier. C'est pas simplement, on espère que dans quelque temps, il y aura la paix là où il y a la guerre. Non, il faut tout faire pour que aujourd'hui il y ait la paix. Et petit à petit, les gestes de paix s'accumulent, finissent par être efficaces et sont observables. Ça devient une véritable histoire. Notre espérance, elle n'est pas simplement pour demain, encore moins simplement pour le ciel. Que ça se passe bien au ciel, ça n'étonnera personne. Maintenant que ça se passe bien sur terre, ça c'est intéressant. Que la vie soit en plénitude dans le monde à venir, dans la vie éternelle. C'est très bien. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut se battre pour que la vie soit respectée, pour que la vie puisse se développer, pour que la vie soit partagée de manière digne et belle, selon précisément ce que Dieu nous donne pour vivre. Mais après tout, Dieu est bienvenu dans notre monde et il ne nous demande pas de partir sur Mars ou sur une autre planète. Notre religion, c'est la religion de l'incarnation. Dieu vient à nous, Dieu vient dans notre temps. Que ton règne vienne, non pas demain, mais aujourd'hui, et non pas simplement au ciel, mais sur la terre, comme au ciel. Voilà notre espérance, voilà pourquoi nous sommes invités à prier, quelquefois d'ailleurs à nous battre, à faire des efforts, à identifier nos engagements, à être fidèles, parce que c'est ce monde que Dieu veut changer pour lui apporter son visage de justice et de paix. Alors que notre prière et que nos actions, à la suite du Christ, s'engagent pour une espérance partagée par la multitude. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que notre offrande devant toi, Seigneur, soit comme celle que présentait l'évêque Saint-Germain, qu'elle puisse toucher ton cœur et nous rendre agréables à tes yeux par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint-Germain de Paris. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre en chantant d'une seule voix. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, en particulier de Noah, endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Germain de Paris et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soutenu par la prière de Saint Grégoire qui veille sur la ville de Paris, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons maintenant que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, que l'on soit le signe parmi tous les hommes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Unis à la prière de Saint Germain qui œuvrait pour l'unité de son peuple, donnons-nous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car par cette Eucharistie, tu confirmes tes serviteurs dans la foi et la vérité pour lesquels a travaillé sans relâche l'évêque Saint-Germain de Paris. Puissions-nous maintenant proclamer cette foi par nos paroles et par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc tous nos encouragements et vœux de prière à tous ceux qui participent de près ou de loin à cette veillée pour la vie. J'ai reçu une invitation à l'ordination sacerdotale le 23 juin à Meaux de notre ami Jason, qui a passé sa formation au séminaire de Paris à Saint-Germain. Et donc, si nous pouvons, à Saint-Germain le 23, à Meaux, pardon, le 23 juin prochain. Et nous prions pour que Jason ait un ministère très fécond et heureux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions Marie. Salve Regina.